Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils. Qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regarde d'autres gens en train de jouer, voilà. Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie, quoi. La Xbox Scorpio est prévue pour sortir à la fin de l'année, pas comme Shenmue donc. Xbox Scorpio, une nouvelle console pour changer de gamme, sans changer de génération. Voilà une tendance qui suit celle de Sony avec sa PS4 Pro, et c'est tant mieux, ravis que nous sommes, de pouvoir garder nos manettes et notre ludothèque. Cette semaine, on a entendu parler de cette Scorpio, d'une part parce que Phil Spencer, le responsable de la branche Xbox de Microsoft, a communiqué sur le fait qu'il venait de tester la Scorpio, et que du coup il était fier, tout ça. Et aussi parce qu'une note interne a fuité, laissant entrevoir quelques spécificités de la machine. 12 Go de GDDR5, un cache L2 qui quadruple de volume, 6 teraflops, chose promise, chose due, 4,6 fois plus qu'une Xbox One, donc. Le tout en gardant l'architecture 8 cœurs de l'APU Jaguar d'AMD. Et le plus rassurant, l'absence de IRAM pour le modèle Scorpio. Oui, car paradoxalement, voir le plus gros avantage de la Xbox 360 et Xbox One disparaître est un bon signe. L'IRAM est une petite quantité de mémoire qui a l'avantage d'être ultra rapide, bien qu'ultra petite. Une sorte de béquille hardware, une petite mémoire ultra nerveuse, grâce à laquelle la Xbox 360 n'a jamais eu de complexe face à la PS3, une béquille grâce à laquelle la Xbox One a réussi à minimiser visuellement son déficit de puissance face à la PS4. Alors oui, paradoxalement, voir Microsoft abandonner sa technique de l'IRAM pour sa Scorpio, c'est signe que la console assure. C'est la puissance décomplexée. Oui, c'est la même chanson. Cette semaine, on a entendu parler de Tekken 7, de Ace Combat 7 et de Resident Evil 7. Et je ne vais rien en dire car à un moment, il faut s'émanciper des licences et oser porter un autre nom. Je veux dire, c'est pas parce que Les Ch'tis est un film qui a marché que tous les films du réalisateur se sont ensuite appelés Les Ch'tis, quoi. On va pas vous engueuler si vous créez un nouvel univers à partir de zéro. Comme les Romains. Cette année, l'épiphanie tombait le dimanche 6 janvier, l'occasion de déguster une bonne galette à la frangipane. La galette des rois, c'est comme Call of Duty, ça revient tous les ans à la même date, mais pourtant tous les ans, on essaye de nous la vendre de plus en plus tôt. Mais si le calendrier fixe arbitrairement un jour précis, il est de coutume de consommer de la galette jusqu'à la mi-janvier. C'est donc un peu tard que nos chers journalistes ont mangé la leur, puisque les rédactions de jeuxvideo.com, Gameblog, Gamekult et Le Journal du Gamer ont tweeté à l'unisson le 20 janvier leur tête couronnée. Aucune magie noire dans ce curieux hasard. On pouvait le reconnaître à la forme particulière de la couronne, les galettes étaient une gentille attention de la société La Boîte Com Concept, une agence marketing qui compte parmi ses clients Nintendo, celui-là même qui vient de présenter il y a quelques semaines sa nouvelle console et pile le jour de la sortie de Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit sur 3DS. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Que les journalistes et influenceurs reçoivent le jeu qu'ils vont tester sans frais et un peu en avance paraît tout à fait normal, à partir du moment où les choses sont dites. Mais que les rédactions reçoivent ce genre de petites attentions de la part des agences de com témoigne d'une familiarité. Familiarité que leur métier consiste pourtant à réfréner. Ce n'est pas juste parce qu'il fait beau dehors si la législation des cadeaux est encadrée dans de nombreux métiers. Parce que si personne n'est dupe, et c'est bien que ce n'est pas une galette des rois qui fera remonter la note de Dragon Quest 8, on sait dans le même temps qu'un cadeau professionnel n'a d'existence que parce qu'il a un effet espéré. Clair que ce n'est pas parce qu'on nous offre un verre qu'on se laisse séduire, mais se laisser offrir un verre. C'est déjà se permettre de ressentir l'émotion d'être redevable à un minimum d'attention.